Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on reçoit Kevin Renière. Comment ça va, Kev? Ça va bien toi? Yes, fait que on t'a déjà entendu sur le podcast, ça fait longtemps qu'on se connaît et tout ça. Euh, mais là, depuis une coupe de mois, je pense qu'il y, y a du monde qui entend de plus en plus parler de toi parce que tu as décidé de lancer un, de te lancer un défi de gagner 50 livres de sa balance et de le perdre par la suite. Mm -hmm. Fait que comment ça se passe, date, ça? Mm -hmm. euh, C'est euh, un défi qui est difficile à relever. Euh, en ce moment, j'ai 20 livres de gagné sur les 50. Waouh! Wow. Ça fait combien de temps? Ça a fait 10 semaines. Hmm. Fait que, euh, beaucoup de, de changements dans ma vie pour arriver à faire ça. Euh, je pensais que ça allait être pas mal plus facile que ça de prendre du poids même. Fait que, en ce moment, euh, tu as décrit un peu. Ouais, comment ma vie? tu dis sais? ça? <laughs> dans le fond, okay. ça part de où? <coughs> mm -hmm. Puis, euh, comment tu te sens? <rire> okay, <rire> Parce on va partir de, de pourquoi, pourquoi, ouais. puis de, de où ça part. Je, la personne qui m'a lancé, le, le, pas lancé l'idée, mais semé une graine dans ma tête, c'est mon barber. Et, euh, ça fait un an là, de ça, même peut-être plus. Il, on discutait de comment améliorer euh, ses choix alimentaires. Puis là, on parlait de. Il y avait une soirée avec du gâteau qui devait. C'était une fête. Puis, me euh, disait qu'il était. T'sais, pour lui c'est pas juste une petite pointe c'est comme une fois qu'il a commencé il est en dedans puis je pense qu'il y a bien du monde que c'est comme ça puis t'sais, comme je ne sais pas tout mettons un sac de chips ça fait la même c juste une bouchée c'est comme ça part là, ça ouvre le bal mm. fait que, t'sais, on était là dedans en, on je lui donnais des idées bon ben est-ce que tu serais capable de juste prendre une pointe ou sinon si tu sais que tu vas déborder si tu fais ça ben pourquoi pas juste pas le manger fait que, là, on était là dedans puis, ce qui m'a marqué... C'est quand qu il me dit Tu peux pas me comprendre parce que t'as jamais été gros. T'as jamais été en surpoids. Fait que là, ça c'est comme l'argument qui fait comme Ah! C'est ouais, vrai. <laughs> vrai. Qu -ce Qu'est-ce qu que je peux répondre à ça? Euh, tu sais, il y a une part de moi, c'est pas parce que j'ai jamais été en surpoids que je peux pas t'aider. Mais d'une autre part, il y a des choses que je comprends pas, c'est sûr. Hum. Puis y a des. Même si moi aussi, je pense que tout le monde aussi, quand. Tu as des envies, des cravings de manger quelque chose, puis tu succombes, ben ça peut être correct. Là. Sauf que quelqu'un qui est dans un processus de perte de poids, ben nécessairement, il va en avoir plus. Puis nécessairement, il sait que s'il succombe, il s'éloigne encore un peu de son objectif. Fait que ça, ça me, ça me semé une graine. <laughs> puis il euh, y, y a un homme aux États-Unis qui s'appelle Drew Manning qui l'a fait il y a une dizaine d'années, ça s'appelle Fit to Fat to Fit. Ça a déjà été fait. Euh, puis j'avais vu ce processus-là. Puis je suis comme, hmm. c'est d'une part stupide de le faire, mm -hmm. mais en même temps, je suis comme, Man, je, je pense que je vais je va me lancer ce défi-là. Puis là, on en a parlé. Euh, J'en ai parlé justement avec mon barber euh, de tout ça par après, de, de cette idée-là. Puis euh, pour l'accompagner lui aussi dans, dans sa perte de poids. Puis. Euh, ça a cheminé parce que là, on se met bon, est-ce qu'on essaie de l'amener à la télé, ce processus-là, ou est-ce que je le fais moi-même sur mes réseaux Puis il euh, y a comme jamais de bon moment. La chose que j'aimais pas de la télé, c'est que si tu le fais à la télé, tu peux pas en parler. Tu il mm -hmm. faut que tu tournes tout ouais, ça. Ouais, 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 ouais. Toi, tu, tu prends du poids, mais tu peux pas <laughs> advertiser ça sur tes réseaux. Fait que là, ouais, ouais. tout le monde te voit affler, puis tu peux rien dire. <laughs> ouais, tu peux pas trop en dire. C'est comme ça, la, la, la ouais. télé. Fait que euh, j'ai gamin. Je ne sais pas si je vais aller sur cette avenue-là, j'ai le goût de, de moi-même et d'avoir le contrôle à 100% sur tout. Je dis, OK, je vais le faire maintenant. C'est quand que tu fais ça? Il n'y a jamais de bon moment. Euh, Puis euh, ben là, ça nous ramène à tout get fit. Euh, je suis copropriétaire avec euh, ma copine Erika du gym To Get Fit et de, de toute l'équipe qui entoure ça. Puis de plus en plus, ma place là-dedans est, est dans le back-end. Okay, parce qu'on a fait une transition il y a six mois pour un gym 100 pour femmes. Donc, je suis moins la phase d'entreprise, je travaille plus sur tout ce qui est dans le back-end. Puis, fait... explique-nous donc un peu le, le, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes vous avez décidé de prendre cette branche-là. Mm -hmm. Puis, toi, parce qu'on a déjà eu la discussion de comme, à un moment donné, tu cherchais un peu ta place à dire, OK, hey, mais ouais. là, si c'est juste des femmes, moi, c'est quoi le, le chiffre? Fait que là, on, on va mettre une pause à la première histoire C'est euh... C'est parce que c'est relié, tu sais, ouais. à ce moment-là. Ouais. et quand. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les stats, puis c'est moi qui sors les, les, les finances, les stats, puis j'ai remarqué qu'on avait 88 de notre clientèle, c'est des femmes. Mm. Puis ça, c'est avant de faire, de prendre la décision. Fait que je me, Hey, pourquoi on n'irait pas juste all-in » Beaucoup plus de facilité au niveau marketing, de tout notre contenu. Tu sais, c'est un une type, c'est un avatar client. Puis ça, c'était fait organique. C'est juste ouais. qu'à travers le temps, vous avez <coughs> eu presque 90 de femmes. Là, puis pourtant, on avait, on avait un, un, bien, moi qui était un homme et on avait un autre coach dans l'équipe à ce moment-là. Mais euh, c'était ça la clientèle. C'est ce qu'on attirait, c'est ce qu'on dégageait surtout par nos réseaux puis euh, ce qu'on faisait. Donc, quand je l'ai proposé, ça a quand même un peu passé dans Ah oh, ouais, c'est une bonne idée, mais ça a passé dans le vide. Puis, genre, deux, trois semaines plus tard, Ericam m'est est arrivé, mais comme si c'était la nouvelle. Comme, il hey, faut que je te dise de quoi, Là, ça, ça me travaille depuis une coupe de temps. Puis là, elle m'a annoncé comme si. Euh... Ben, c est, c est, je pense que c'est de la façon qu'on se l'est communiqué, Comme mmh. moi, là, je faisais plus partie de C'est le même, je l'ai vu. Okay. C'est comme si moi, je n'étais plus d'implant, à ce moment-là. Puis je pense qu'elle, c'est qu'elle a. peut-être allée un petit peu trop loin dans son interprétation, interprétation puis elle, elle se voyait comme si euh, elle venait de, de m'enlever ma place dans l'équipe. c'est elle qui a vu ça comme ça, mais moi, je suis comme, ben non. Puis tu sais, pourtant, moi, je l'ai comme deux, trois semaines, là, cette idée-là. Mmh. Fait que là, pendant, je dirais, ce, cette semaine-là où ça a été annoncé, moi, j'étais déboussolé. Là. On, on, on s'était vu ici, justement, je pense, quand je venais d'avoir la nouvelle. Puis là, j'étais comme... Je me dis, oh, ben, on pourrait peut-être avoir une place pour toi. <laughs> <laughs> c'est quoi je vais faire? Puis euh, <coughs> ben, finalement, on s'est on réassis, on en a reparlé. Puis bon, c'est sûr que ça a eu un impact puis une influence sur ma place puis comment on faisait les choses. Puis pour elle, c'est tellement important... D'avoir une mission profonde. C'est pas juste on va aider les hommes et les femmes. Non, non, elle, elle veut que ce soit les femmes, puis pour elle, ça, ça y tient à cœur. Puis ça, moi, je trouve ça beau. Puis pour moi, ma vision, c'était plus je veux qu'on aide un maximum de gens. Mais si on aide un maximum de femmes, moi, ça me va. Je me mm. sens bien là-dedans. Mais c'est sûr que c'est différent un homme qui travaille avec une femme, puis une femme qui travaille avec une femme dans le coaching. Une question de lien de jusqu'à où tu peux tu peux aller dans la, la compréhension aussi du corps et ben de toute façon je suis de moins en moins sur le terrain dans le coaching j'ai pratiquement plus de clients clientes fait que pour moi c'est comme ok ben, je vais aller rediriger mon énergie ailleurs puis justement travailler sur l'entreprise bref ça m'a donné du temps en même temps. C'est ça que ça l'a fait. Puis on a dû trouver des, des façons de, de continuer de faire, euh, de construire l'entreprise autour de cette nouvelle réalité-là. Fait que moi, je me suis un petit peu retiré. J'ai gagné beaucoup de temps. Ce qui nous mène à là aujourd'hui où on en est, euh, hum. la décision de, de me lancer dans cette prise de poids-là. Puis avant qu'on qu continue, parce que je trouve que ça demande. Beaucoup d'humilité, de, de tu t'aurais pu tomber dans l'ego, dire quand hein, voyons, j'ai bâti ça avec toi, euh, c'est moi qui étais, qui étais plus de l'avant, tout ça. Euh, Puis tu sais aussi, c'est que es, c'est comme si. Parce que le concept des compromis, c'est comme. Je trouve que c'est pas super bon, parce que le compromis, c'est comme on se rejoint à 50-50, tu sais. Puis je trouve ça intéressant de voir que t'as pas fait ça. Vous avez pas fait un 50-50, que tu te dis, ah ben moi, dans le fond, ça me dérange pas tant, fait qu'on va aller all-in avec toi ce que tu veux. Puis, euh, c'était quoi un peu ton processus décisionnel? Comment tu vu ça? C'est quoi les émotions que tu as vécues? Comment tu as navigué à l'entour de ça? Puis tu t'es venu à dire, comme, non, c'est correct, dans le fond. Mmh. Ben, comme Comme j'aime les chiffres, comme j'ai dit tantôt, là, je le voyais l'avantage à faire ce move-là. Fait que Déjà, c'est <laughs> sûr qu'il y avait une part de moi de, bon, je vais plus être de l'avant autant que je l'étais. Puis ça. Pour autant Erika que moi, les deux, c'est important pour nous d'avoir une place et d'être mis de l'avant quelque part. Fait que là, je perdais ça, mais je me suis dit, c'est pour le bien de l'entreprise. Puis il y aura de quoi d'autre pour moi plus tard. Je pense que là, c'est la bonne décision à prendre pour le bien de l'entreprise. Puis effectivement, c'est. Tu sais là, six mois plus tard, c'est juste fou, là, la communauté qu'on a réussi à bâtir autour des femmes. C'est balade et c'est boire que mm. Ça, je suis vraiment content qu'on l'ait fait. Puis euh, à ce moment-là, j'ai eu peur pour ma place dans l'équipe par notre communication des fois qui est… <laughs> qui, on travaille là-dessus, il là, y a quatre mois, mais au final, euh, on s'est rassis pour on en a reparlé. Je euh, mm. pense que ça, 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 ça s'est bien passé, finalement. Mm. Parce que je trouve ça intéressant le, le... T'sais, les gens comment ils perçoivent les choses, tu puis c'est facile de tomber dans le dire comme euh, ben là il a perdu sa place whatever, puis je trouve ça, ça beau de voir comment que vous avez tout twisté ça puis comment que vous que là justement six mois plus tard t'es comme il ben, y, y a crime mm -hmm. c'est vraiment la meilleure affaire qu'on qu a faite puis ça ramène à là mais ben, là t'as pu t'as pu faire ce projet là que t'es en train de faire là. ouais ouais puis même avant de, de me dire ok j'embarque dans, dans ce projet de prendre 50 livres j'ai quand même voulu, j'ai eu d'autres opportunités en, entre temps pour refaire de quoi pour les hommes. Parce que je veux quand même être de l'avant dans quelque chose, je veux avoir le contrôle sur, sur un certain projet. Euh, C'est à ce moment-là, vers décembre dernier, que je m'en allais faire un, un peu un copier-coller, mais sans utiliser le gym pour les hommes. Fait que, tout en ligne. De coaching, ouais. fitness pour les hommes. Ouais. Puis, avec tu sais, un aspect un petit peu plus poussé au niveau entrepreneurial, développement, pour amener une branche supplémentaire. Parce que, pour moi, je pense que le fitness et l'alimentation, c'était la partie centrale, mais ça allait venir avec le changement identitaire puis le développement de la personne. Fait que je voulais rajouter cette branche-là, que j'ai beaucoup travaillé moi-même dans les dernières années. Fait que je voulais partager ça. Fait que là, j'avais mon idée. J'avais commencé même à faire un branding logo, tout ça. Ça, ça allait s'appeler Men Get Fit. <laughs> J'avais repris un peu le concept de To Get ouais. Fit. C'était weird parce ça faisait mange fit là, en même temps quand, ouais. quand ouais. tu le lisais en français. C'était un <laughs> peu bizarre. Je, finalement, c'était pas une bonne idée. Mais euh, c'est le livre que tu m'as offert euh, autour du 10 décembre. Euh, je suis content de l'avoir eu avant Noël. 10x is easier than 2x. Euh, je l'ai dévoré ce livre-là avant Noël, je l'avais fini. Puis, euh, en gros, c'est plus facile de croître en faisant des étapes Tenex, des, des, des actions au-delà de ce que tu es habitué de faire, out, outside the box. Puis là, moi, je m'en allais refaire du 2X. Je m'en allais refaire tout ce que j'ai connu, l'entreprise euh, de coaching, un peu tout réutiliser. ça a été facile. J'aurais pu utiliser plein de systèmes, plein de, de façons de faire que j'avais de chez ToGetFit. Fit. fait que ça, je voyais une… C'est une belle facilité pour starter ça. Mais après, en lisant le livre, j'ai réalisé « Attends minutes minute, là, moi, je vais me replacer dans la même position que j'étais il y a genre trois ans en tout cas de au début, début, début. Oui, il y a des choses qui vont être plus faciles parce que j'ai beaucoup appris et j'ai déjà des systèmes en place. Mais il va falloir pareil que je fasse toute la vente, le marketing. Au début, je vais commencer ça tout seul. Là. Fait que là, j'ai fait comme « Wow, je... non, c'est pas ça que je veux revivre. » Puis, tu sais, j'ai quand même une place dans tout cas de aussi, là. Peut-être qu'à ce moment-là, je voyais ça comme, ah, oh, tu sais, je vais commencer ça tranquillement, mais, là, tu sais, rapidement, tu l'as vécu, là, avoir plusieurs entreprises qui roulent en même temps, c'est le chaos. Là. Mm. Oui. Fait que, euh, <rire> <rire> oui. Fait que, je, ben, merci de m'avoir fait ce livre-là, parce que ça m'a les yeux. Puis, euh, hey, je, je sais que j'aimerais pas ma vie en ce moment si je m'étais lancé dans une nouvelle entreprise de coaching pour hommes, parce que, il y a plein d'affaires que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. j'aurais pu euh, Il aurait fallu que je le fasse au début. C'est sûr qu'éventuellement, tu peux embaucher puis tu peux t'entourer, mais j'aime faire les choses en équipe. J'ai commencé tout Get Fit en équipe avec Irika. Puis euh, là, de faire de quoi tout seul, moi, j's... honnêtement, je ne pense pas que je suis assez solide pour faire de quoi de A à Z tout seul. J'ai besoin de m'entourer. Fait que. Men hmm. Get Fit est tombé à l'eau. C'est bien correct. À l'automne, on a eu le, 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 le truc de Noël pour le mastermind ici. Puis on a eu Benoît Chalifou qui, qui est venu parler. Puis il a dit une phrase. Puis moi, ça résonnait beaucoup parce que j'étais dans ce processus-là. Mais il disait il y a une différence entre la persistance et la persévérance. Puis tu aurais pu persister avec ton idée de faire ça. Puis disant Non, je reste dans la même affaire, je reste dans le même truc, que je pousse là-dessus. Mais tu sais, ultimement, c'est que si tu reviens à ta vision de 5 ans, 10 ans, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux accomplir, de tes, tes plans, mais c'est là de dire comme. Ok, mais des fois, ce pas tous les projets qui sont bons. C'est pas parce que je l'ai déjà fait que là, de reproduire ça, ou même si tu chargé plus cher, même si tu aurais été du IT kit, ça aurait resté dans les mêmes actions que aurais posé, tu aurais posées. C'est intéressant, ce concept-là, de, de parce que je pense que du monde qui ne sont pas assez persévérants, <laughs> mais il y en a d'autres que. Puis moi, c'était mon cas que j'étais persistant avec Quantum Training, de me dire, comme, je vais le garder parce que ci, parce que ça, mais que c'était juste vraiment de traîner ça fait que ouais. félicitations pour ta, ta prise de décision je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait tombé dans ah mais ben, je vais repartir d'autre chose qui est la même affaire tu que... puis c'est surtout j'ai eu les opportunités aussi il y a des, des gens qui m'ont j'ai eu du coaching qui m'alignait vers ça puis j'ai eu des belles opportunités de, de faire du, du cross pollination là, fait que des gens qui me feederaient de la clientèle pour travailler en, en symbiose ensemble mais malgré ça j'aurais eu mes affaires à moi là. Hum. Fait que, je pense que là-dedans aussi, c'est de dire non à certaines opportunités. Là, puis, comme tu as dit, de repenser à c'est quoi ta vision ultime. Là. Hmm. Parce que, tu sais, il y a bien des affaires que je peux faire chez To Tenex, justement aussi, pour permettre de cette entreprise-là de continuer de croître. Hmm. C'est sûr que si je mettais mon énergie sur euh, une autre entreprise, ben, je peux pas en mettre autant. C'est pour ça. Parle de vision, de... vas-y, excuse. Je pense que c'est de là. Euh... Toi aussi, tu as de décision décisions là, récemment là, pour euh, focuser à 100% sur ce qui vraiment te passionne et qui te drive. Là. Mm -hmm. 100%. Puis tu as parlé de vision. Je, je, je suis curieux, euh, je pas euh, là-dessus, mais où est-ce que tu vois ça dans 5-10 ans, mettons Ce que tu fais, ton rôle, euh, tu sais, comme... Mm -hmm. Ce que je veux faire éventuellement, c'est chapeau... Ben, présentement, je chapeaute l'équipe euh, développement des affaires. Tout ce qui est euh, application à l'interne, tout ce qui se passe en dedans, les, les connexions entre les différents systèmes, je travaille là-dessus sur le développement, puis je forme l'équipe. Ce que je voudrais faire à long terme, c'est qu'on ouvre les portes à d'autres to get fit, puis être la personne ressource pour aller aider ces, ces personnes-là qui vont euh, diriger d'autres gyms to get fit. Hmm. Un, 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 Continuez à être un formateur. Hmm. Ben, je pense que c'est ça. Pour ceux qui savent pas, tu background, tu enseigné à l'école. Euh... Ouais. Enseignant avant de faire le switch. Euh, ouais. euh, C'est quelque chose qui t'a passionné. Pis ça fait, fait quoi? Euh, ça doit faire 10 ans qu'on se connaît quasiment? Oui, j'y pensais. Ça fait là, 8 ans. 8 ans. Ouais. Fait ouais. ans. Fait fait euh, euh, ça t'a tout le temps passionné de vouloir euh, transmettre ta passion, d'enseigner. Oui. Très cool. Fait que là, si on revient à ton, euh, à, à ton challenge, fait que là, dans le fond, parce que là, étant donné que vous attirez. Vous voulez attirer des femmes. C'est sûr qu'il y a du monde qui va se demander ben, pourquoi que tu fais ça d'abord. C'est-tu bon pour la business? C'est quoi un peu ton, ton thinking en arrière de faire ça maintenant? Là, que, que justement, tu n'es plus de l'avant, mais ben, tu te mets de l'avant sur ton perso. Le moment où j'ai dit « Ok, je le fais », c'était comme 24 décembre. Parce qu'il y avait bien de la bouffe sur la table. <rire> <genre>. <rire> puis, je suis vraiment de même. Là. Tu sais, comme euh, on travaillait ensemble, euh, je travaillais dans. Ben, je travaillais. Euh, J'étais élève, on va dire, dans le mastermind quand j'ai pris la décision de quitter l'enseignement. Mm. Ça s'est fait, là, vraiment de même. Je fais, c'est fini. Je me suis donné un deadline, puis c'est fini. Puis, je me suis engagé, je l'ai dit, puis je l'ai fait. Puis, c'est un peu la même affaire que c'est produit avec ça. Euh, genre, le 24 décembre, je n'ai parlé au monde, puis j'ai dit, je le fais, puis ça, ça se là Puis,. Euh, j'étais allé all-in, ça bouffe. <rire> <rire> le 27 décembre, quand je me suis repaisé, j'avais pris 15 livres d'inflammation en trois oh jours. Euh, C'était horrible. Ouais. Puis là, ben, ça, une fois que j'ai commencé, j'ai OK, mais j'ai mis un pied dans la porte, j'ai commis, puis on continue. Euh, j'ai eu le temps entre temps, là, entre le moment où j'ai pensé le faire et le 24 décembre, ben, de, de passer à. Ça va être quoi, tu sais, Stratégie, c'est sûr, derrière ça, il y a quand même, c'est un coup marketing. Il y, a, il y a ça aussi là-dedans. Là. Je ne vais pas le cacher. Là. Mais euh, je n'ai pas encore une façon précise pour monétiser ça. Euh, c'est sûr que ça attire beaucoup le regard puis euh, beaucoup d'exposure de, à ça. Donc, euh, ça amène des gens vers tout Get fit par la suite qui ont peut-être besoin d'aide, qui pourraient être coachés. Fait que d'une part, il y a quand même ça qui se fait euh, naturellement. Mais moi, personnellement, mon but, c'est pas d'aller me chercher une clientèle euh, pour aller faire du coaching, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est pas moi, personnellement, qui vais le faire. Mm. Fait que tant mieux si ça donne une visibilité à tout qui est fait par la bande. Puis qu'il y a des gens qui... Mais c'est des femmes, là, qui vont se sentir interpellées par ça, qui vont vouloir euh, prendre le service d'un coach. Ça, c'est good. Euh, mais Personnellement, tout ça, je veux, je veux voir jusqu'où ça peut aller. Tu sais, je commence à avoir euh, des, des offres pour faire euh, de la publicité là, pour euh, des produits ou euh, d'entreprises. entreprises. Ça, fait que ça, bien, ça peut être une avenue là, plus tu style sais, influenceur par euh, l'exposure le, que ça, ça donne sur les réseaux sociaux, ce, ce projet-là. Mais en même temps, pour moi, euh, je ne vais pas promouvoir des de la malbouffe nécessairement. Il je, je y a des affaires que je je rends des, des, certaines choses en défi pour avoir un peu de fun à travers ça, puis que ça, ça soit divertissant aussi. Là. Mm. Mais euh, ce n'est pas moi qui va, euh, qui va dire, prenez, euh, comme j'ai mangé de la poutine dernièrement, méga poutine de Slimming ouais, <laughs> Méga défi, c'est cool. Puis honnêtement, le restaurant là-bas, il était super fin, mais ce n'était pas un paid advertisement. Je l'ai fait vraiment mm. parce que... Il était le fun, le monde là-bas. Je te dire à quel point ça a quand même l'influence que je fais. Il y a un gars qui est descendu de Terrebonne parce qu'il avait vu mes stories ce soir-là. Il était là. Puis là, on a commencé à jaser finalement. C'est quand même un gars qui est venu manger à ce restaurant-là de Terrebonne. C'est à Trois-Rivières, le resto. Je ah, ouais. vois que oh, ok je peux avoir une certaine influence. Mais c'est sûr que je suis dans la période plate. Là, mm -hmm. Mais on va revenir pourquoi je veux le vivre aussi. mais j'ai vraiment hâte d'être rendu au moment où on, on y va all-in sur la perte de poids, puis de, de partager ce que je fais, les bonnes choses. Puis là, là je vais vouloir aussi mettre de l'avant des, des entreprises dans lesquelles je crois, puis que je pense qu'ils peuvent amener euh, plein de bonnes choses aux gens. Hmm. Fait que, je sais pas nécessairement où ça va mener au niveau euh, euh, monétisation de tout ça. Hmm. C'est intéressant parce que je pense que. C'est l'affaire numéro un que, qui va aider sur le long terme, c'est d'avoir l'exposure et d'avoir la visibilité. T'sais. Fait que peu importe après ça, qu'est-ce que tu fais, ben, tu as cette audience-là. Mm -hmm. Fait que je trouve ça intéressant parce qu'il y a trop de monde qui attend d'avoir le plan parfait avant de faire les, une action whatever. T'sais. Tu ne t'es pas dit « je vais tout planifier mon marketing, euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça tout ça », tu l'as juste fait puis regarde, tu vas voir où est-ce que ça va aller. demain du autre je pense que tu me dis ça va doubler ton, ton nombre de followers sur Instagram. Oui, ça a doublé. Là. Ouais. Euh... Ça a été une belle opportunité aussi de me lancer sur TikTok parce que je ne mettais rien sur TikTok. fait que Les mêmes pièces de contenu, je les mets sur TikTok aussi. Je suis en train de monter une audience sur TikTok. Mmh. Parce que tu sais, quand tu as une audience, je veux dire, ce n'est pas pour, pour rien que euh, The Rock, ouais. quand il a sorti sa tequila, c'est devenu une entreprise qui vaut euh, des milliards, je pense maintenant. Ouais. Euh, c'est de la tequila. Ouais, McGregor là, aussi, la même affaire. Exactement, ça. exactement. Il y en a plein qui... Son whisky, là, McGregor, ouais. même affaire. Là. Exact. tu sais, une audience, c'est comme l'affaire que peu importe qu ce que tu veux faire après. Ben, tu l'as, puis justement, mais là, tu, tu as plusieurs plateformes aussi, fait que s'il y en a une qui mmh. ferme, tu n'es pas dans le euh, monde mmh. que... Oui, puis j'ai pensé, euh, une fois rendu à la perte de poids, ça pourrait être une opportunité à saisir de dropper des, des plans d'entraînement pré marché mais je ne le ferai pas. Parce que je pense que je tuerais tout le monde depuis le début qui me suit pour ça, qui vont faire comme... Arc, ouais, ouais. Dans le fond, il a tout fait ça juste pour vendre au final des, ouais, des ouais. plans d'entraînement. C'est pas pour ça que je le fais. Puis, anyway, c'est comme j'ai dit, je veux pas me relancer dans une affaire de même. Fait que, ça, ça. Quand, quand je vais être rendu à perdre du poids, là, je, gratis, là, je vais tout partager ce que je peux. C'est sûr que ça sera pas personnalisé à personne, mais les gens vont pouvoir piger là-dedans. Ah, il fait tel type d'entraînement, il mange telle affaire, je vais essayer ça puis euh, essaie puis si ça fonctionne pour toi tant mieux puis euh, c'est sûr si tu es une femme puis que là tu fit dans nous notre entreprise ben oui on peut t'aider si, si tu veux aller vers tout ce qui est mais tu sais pour de ça aucune idée c'est vraiment ça mm. ah c'est cool comment tu te sens par rapport à, à manger de même <laughs> c'est horrible man <laughs> c'est horrible ben tu sais c'est j'ai jamais été, ça paraît pas tant, le monde me le dise, mais j'ai jamais été dans cette condition physique-là de ma vie. Euh, fait que. Puis, c'est pas la condition physique qui me dérange. Ça me dérange même pas d'avoir un petit ventre. Pour de vrai, je, je, je sais pas c'est quand, à quel point ça va me déranger quand je vais en avoir pris 50, je ne sais pas. C'est vraiment ici. C'est comment je me sens dans ma tête de. De mal m'alimenter ça l'impact tellement mon sommeil c'est la pire affaire c'est mon sommeil euh, ça tourne tellement plus dans ma tête quand je me couche quand je me, je me réveille la nuit c'est toutes des choses que j'avais un super beau sommeil avant de ça? Hein? je me couchais la tête sur l'oreiller je m'endormais direct bang je me le matin top shape là c'est dur de me lever le matin je me lève plus tard j'ai perdu tous mes repères je snooze je me lève je mange vraiment n'importe quoi là que ce soit des croissants, du Nutella, des biscuits le matin. <laughs> euh, des fois, je vais manger un wrap, euh, des œufs, mais c'est rare, mais. Je le fais pour prendre du poids aussi euh, de manière rapide. Je veux ouais. pas éterniser ça. Là. C est, c est, ça reste au final, c'est ma santé. Là. je mettons, pourrais me mettre à la place de quelqu'un que ça fait 10 ans que es en surpoids, mais c'est pas vrai que je, je vais faire ça pendant 10 ans. Ouais. Je veux le faire quand même. Sur six mois, top. Là. Mm. Je pense que déjà là, ce que je vis en ce moment, je réalise que, attends une minute, ça va être tough à revenir. Là. Je, je le vois que... Si demain matin, tu me disais, OK, tu recommences à perdre du poids, là, j'ai plus de repères en ce moment. C'est top d'aller au gym. Les seules fois que je vais au gym, là, je suis allé moins de dix fois en dix semaines, puis je vais avec un chum le samedi parce que ça me fait du bien. That's it. S'il faut que j'aille seul... <laughs> ben, en fait, je, je l'ai testé, je l'ai mis une coupe de fois à mon horaire la dernière semaine, pendant la semaine. Ça prend le bord. <laughs> ah ouais. Oh, ouais, ça prend le bord. C'est un enfant qui était dur que tu te disais c'est que là, tu as perdu de la masse aussi. Ouais. Fait que là, c'est comme ok, moi ouais, je pense que t'avais peut-être pas pris ça en considération sur 50 livres, parce que dans le fond, ça va être comme 70 livres de gras vas avoir pris. Ouais. Oh, ouais, c'est certain que ça va être autour de ça. Parce que de, Mettons cette semaine, le dimanche, je prends mon poids. Puis euh, je suis revenu au poids que j'avais il y a trois semaines. Oh. J'avais perdu du poids. <laughs> j'avais fait euh, une semaine avec le défi de faire du jeûne intermittent mais c'est cool aussi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait fait que je me suis plongé pendant une semaine là-dedans je l'ai fait ça prend un petit peu plus de temps je pense pour s'habituer à du jeu intermittent mais je, je voulais le faire pendant une semaine puis je suis allé faire plein de lectures là-dessus regarder des, du contenu pour m'immerger de ça je me suis comme ok tu sais il y a, il y a des bonnes choses là-dedans mais c'est sûr que c'est des bonnes choses pour t'aider peut-être plus dans la perte de poids là, que de, oh, ouais, de, de là... prendre du poids je voulais le faire de la mauvaise façon pour euh, parce que s'entend, si tu manges les moi je mange 5, va, Je vais prendre mon exemple, je mange 4 à 5 000 calories à tous les jours. Si je garde des rentrer dans ma petite tête de 8 heures de jeûne intermittent, le résultat va être très semblable. Mmh. C'est sûr que la période de, de jeûne va te permettre d'être moins inflammé, Mais au final, le gros que tu vas prendre, tu vas le prendre pareil. Hein? Mmh. Tu sais, t'es de rentrer 108 heures? Non. c'est ça. Je mangeais pas mal moins. J'ai pas un gros appétit. J'ai perdu trois livres cette semaine-là. C'est pour ça que là, je suis revenu au poids il y a trois semaines. à ce rythme-là, j'en ai pour un autre 10 à 15 semaines. Ce qui me. Dans 15 semaines, ça va faire 6 mois. Ça va t'avoir top. a t tu des choses que tu penses faire pour accélérer je veux... mange vraiment mal. Là. Je mange vraiment mal. Euh, la... Des fois, la critique que... que je reçois, c'est que non, ça se peut pas que des gens mangent de même. Mais l... oui, il y en a qui m'écrivent oh oui. « C'est ça que je mangeais. » Moi, je, je mangeais de même avant. Il y en a qui, qui se voient là-dedans. Fait tu sais, T'sais, quand j'ai lancé ça, là, la critique, c'était ça. Il y en avait de toutes. Ah oh, ben, tu, tu peux pas te mettre dans la peau de quelqu'un, tu ne sauras jamais c'est quoi, là. il y a des maladies à travers ça, il y, troubles, il y a des troubles alimentaires, mais il y a des troubles métaboliques. Comme. Je pense que chaque personne a sa réalité. Moi, je vais vivre la mienne. Puis il y a des similitudes quand même là, que, que je veux. C'est pour ça que je le, je le fais, que je veux vivre, puis que je veux mieux comprendre. Fait que... Euh, je ne euh, vais pas faire exprès non plus de, de, de manger un peu mieux, comme si quelqu'un t'a essayé de perdre du poids mais qu'il n'en perd pas. Il y, a chaque, il y a trop de types de personnes. Ouais. Fait que moi, je veux, je veux atteindre le 50. Euh, Est-ce que je vais. Veux... Je vais pas me mettre à boire de l'huile d'olive, là, mais j'ai déjà <laughs> pensé. Je dis, hey, mettons, que je fais, t'sais, mettons que je mange quand même bien, mais que je me cale un shooter d'huile d'olive à chaque repas, ça va-tu? <laughs> ouais. Mais, ça, ça va peut-être euh, être des petits trucs de même à que tu vas te trouver pour, euh, ouais. pour rentrer calories. Parle Parlons nous de, de la critique. Comment tu as vécu ça? Parce que... T'as eu vraiment du monde justement qui était comme hey, c'est vraiment nice, Puis du monde qui était fâché de ça. Euh, comment t'as vécu ça, toi, la critique mm -hmm. Parce que je pense que t'es un gars que tout le monde aime <laughs> à base. <laughs> j'ai jamais entendu <laughs> quelqu'un parler contre toi. Fait que ouais. là, c'est comme. C'est quoi ça, ça? C'est l'autre affaire que je suis content d'avoir vécu. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir plaire à tout le monde. Puis je veux me détacher de ça. Je veux plus être bon pour les gens, moins gentil. T'sais. Puis ça va beaucoup m'aider dans plein de fins de ma vie. Okay. Surtout dont au travail, là. T'sais, quand tu as quelque chose à dire, le but, c'est pas d'être gentil avec la personne, c'est d'être bon pour vous permettre de progresser. Mais sur le contenu que je partage des réseaux sociaux, avant, j'avais tendance à penser à l'opinion de tout le monde. Quand j'allais dire quelque chose, c'était dans le but de, de plaire à tout le monde. Mais tu restes, tu sais, quand tu es all-around, quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais peut-être à personne en même temps, t'es pas le « wow » de personne parce que tu, tu vises tout le monde. Fait que, pour une fois, cette euh, aventure-là me permet de déplaire à des gens, puis d'être pointé du doigt, puis de, de devoir faire face à cette critique-là au début, euh, ben encore aujourd'hui, moi, je, je vais répondre à tout le monde, euh, je, je vais être toujours poli, je suis poli dans, dans mes réponses, puis je pense que, rapidement, les gens, ils se réajustent aussi avec moi. Parce que je, le, restant, le le respect, c'est vraiment important. Puis les gens, ils le voient quand même dans mes réponses, puis dans la façon que, que les gens interagissent sur mes, mes plateformes, ça reste respectueux. Puis si ça ne l'est pas, ben, t'sais, je, je vais le pointer du doigt, puis je vais le dire. Puis comme souvent, on va régler ça en message privé, puis ça, ça va être bien correct. Mmh. Fait que ça a été dur, les, mettons, la première semaine à gérer les, les, les messages de. « Voyons donc, t'es stupide, tu vas… » Grossophobie aussi. je le comprends. Le, si tu vois… Si, si la personne, a voit une coupe de mois à l'avance puis qu'elle dit « Ah, check bien il », va, il va arriver puis il va dire « Ah, c'est facile perdre du foie puis j'ai fait ça, 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 fait comme moi. » C'est sûr que c'est c'est un peu diminutif, mais c'était pas, pas tout ça mon, mon idée à la base. fait que… Mm l'intention est bonne mon intention est bonne euh, mais c'est sûr que c'est un, un sujet touchy quand même fait que, parce que ça reste que t'as beau, euh, beau dire tu sais ben du monde c'est comment ah, je m'en fous des, des du monde qui parle contre moi puis ça pis ça reste que comme qu'est-ce qu'on est, est tout humain. Ouais. quelqu'un puis il y en a du monde ça c'est comme tu sais j'avais un... quelqu'un je parlais un moment donné, ben Guillaume boucher tu connais puis ouais. <laughs> il y a déjà eu une menace de mort genre comme quelque chose de même. Il y a des fois, vraiment évient ces réseaux, là, là, vraiment des années. T'sais. Ouais. Puis des fois, il y a du monde qui sont comme. Euh, c'est vraiment. Genre, Il ne passent pas une belle journée, puis <laughs> c'est surtout que ça drop. Puis je pense que c'est un. Que justement, là, tu le vis, que là, tu fâches un peu plus, mais Caroline t'a doublé ton nombre de personnes. Clairement, ça a eu un impact sur votre chiffre d'affaires et la croissance de la business. Il y a comme. Tu sais, quand tu commences à être plus polarisant, mais dans le sens de pas polarisant pour fâcher nécessairement, mais juste polarisant pour dire mais Regarde, moi, voici. Ce que, ce que je fais, voici mm -hmm. quoi je crois, etc. Ça fait en sorte chemin comme tu disais tantôt, que le monde, il ben, y a du monde qui va triper vraiment à 100% sur ce que vous faites, puis il y a du monde qui ne pas aimer ça, tu sais. Mais ouais. c'est quand même spécial pareil parce que c'est la première fois de l'humanité que tu peux, recevoir, tu peux recevoir autant d'admiration vite, mais autant aussi de. De te faire détruire, comme, puis que le monde soit comme tu un câble. c'est comme quand t'es dans l'humanité ça existait, genre des moments de même. T'sais, 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 fait que c'est comme ouais. toute une nouvelle réalité que l'humain faut qu'il s'adapte, tu sais. Fait que c'est fou pareil. Le, le... Mais tu je pense que si je l'avais fait dans la ligne euh, choquez-moi, je vais prendre ça, tu puis ouais. un peu à la cow-boy, puis euh, vraiment, justement, dénigrer les gens qui sont pas capables de perdre du poids, puis je vais vous montrer comment faire. Si j'avais été dans cette ouais. ligne-là, J'aurais plus que doublé mes abonnés, c'est clair. Mais la réputation que j'aurais bâti puis le... j'aurais eu un impact négatif aussi sur l'entreprise, tout si j'avais fait mmh. de même. Là. Ouais. Ou, ben encore là, il y a des gens qui aiment. Est-ce qu'il y en a des gens que c'est... Tu sais, j'en je, vois là, aller en ce moment. Moi, je j's, moi, suis pas d'accord avec... Je le... suis pas d'accord avec le message de... Si t'as pas un six-pack, si t'es gros, si t'es... Mmh. Tu devrais pas... Euh, tu peux pas réussir, tu sais, comme... Il y a des, des gros high, achie high achievers dans, dans le monde en ce moment qui. C'est plus ça leur discours pis ça parle à certaines personnes. Pis t'as Warren Buffett qui boit du Coke, genre, comme <laughs> un des les plus milliardaires du monde. Ben, tu sais, chaque personne, tu sais, you do you. Fait que Warren Buffett, ouais. il boit son Pepsi ou son Coke, pis. Alors, son Coke, il... est... Son coke qui, ouais, qui est owner de, de Coke, <laughs> quoi, Ouais. <laughs> fait que... Moi, je suis pas d'accord avec cette avenue-là. Mais si je l'avais pris, probablement, ça aurait été contre moi, contre mes valeurs. fait, que je, mm. Il aurait fallu trop que je joue un autre personnage, que finalement, ça n'aurait mm. ça pas duré. Mais je me serais probablement attiré un plus gros following. Donc, fait que mm. Je pense que c'est important aussi quand que tu prends des positions comme ça qui vont déranger d'être toi. Parce que ah oui. si tu prends une grosse position de même et que tu joues un personnage, à ben, un moment donné, tu, tu vas dire de quoi te travers, ou tu travailles ou tu vas te planter. Là, mm. 100%. Tu sais. pis... Je pense que dans une interview, Jim Carrey, il, disait, il parlait de la dépression, puis il disait, tu sais, dépression, c'est que ton corps a besoin d'être « dépress, puis qui est tanné du masque que tu te mets pour être quelqu'un d'autre devant tout le monde. Puis, ça doit tellement être lourd. Puis, je l'ai vécu, dans le, je pense qu'on a tous vécu ça dans le passé, de ne pas être 100% toi-même, puis c'est tellement tough, genre. Puis, euh, c'est... Fait que, Je pense que, que tu, ce que tu dis, c'est, tu es juste toi-même, mais tu as pris... Tu dis ce que tu penses pour une affaire que c'est toi, dans le fond. Mm -hmm. as parlé de ça no matter what. Puis euh, je pense que tu le fais bien. Puis moi, de te connaître depuis longtemps, ça fait tellement de sens comment tu le fais que. Je comme, suis comme, pas dérangé de me dire Ouais, ok, qu'est-ce qu'il fait? Mm -hmm. C'est comme... C'est super toi. Puis euh, parlant de ça, je veux, je veux venir avant qu'on termine sur. Là, ça, ça fait différence sur les réseaux sociaux, ça fait. Puis là, ben, ça a un impact positif, tu doubles ton nombre d'abonnés et tout ça. C'est quoi, tu dirais, au. au il y a plein de coachs présentement qui font du contenu sur les réseaux sociaux puis à un moment donné c'est parce que ça, ça ressemble tout un peu puis je pense que qu'est-ce que tu essaies de faire avec tout qu'il fait aussi c'est de faire différent t'sais. comment que comment tu différencies ces réseaux sociaux comment tu peux quels conseils tu peux donner aux gens qui commencent ou même ça fait longtemps qu'ils sont là mais qui n'ont pas nécessairement l'impact le, le, qu'ils veulent avoir là, euh, ces réseaux mm -hmm. ben c'est mon aventure à moi que je partage fait que c'est sûr que je vais être différent en partant là. même si quelqu'un l'a déjà fait euh, le concept rester le même. On s'entend là, Mané. Il, il, tant mieux si tu trouves un concept qui n'a pas encore été exploité, puis que man, as peut-être une mine d'or. Mais si tu reprends un concept, je pense l'important c'est de le mettre à ta sauce, puis de, de vraiment parler de toi, comment toi tu le vis, puis de rester toi-même là-dedans. Parce que dès que dès que tu essaies d'aller en faire plus, mais que ça te ressemble pas ou que tu tu, tu reprends les paroles de quelqu'un d'autre, c'est le si ça va sortir là, au grand jour, quelqu'un va, quelqu va le découvrir, ou tu vas, tu vas dire de quoi tu travailles, que tu ne penses pas vraiment, ou qui compte tes valeurs, puis tu vas te contredire à quelque part, puis c'est là que tu vas te planter. Fait que je pense que l'affaire la plus facile, je trouve, c'est de partager ton quotidien. Mmh. Documente ce que tu fais. Ouais. Tu es un entraîneur, documente. Tes entraînements, documentes, les clients que tu comment tu les aides, c'est quoi leur win, c'est quoi le difficulté aussi. Si tu partages ça, c'est sûr que tu es unique, mais en même temps, il y a plein de monde qui ont les mêmes difficultés. C'est juste que là, toi, -tu, tu parles de ta réalité à toi. Donc, en un sens, tu es, es unique. Hein? Mmh. Puis je pense que, de, de, mettons, euh, 10 ans, il y avait Marc Fitt qui faisait beaucoup de blogs, mais c'était comment qu'il okay, est là. Euh, je veux doubler mon bench. Fait que là, il partait une série sur YouTube, c'est comme euh, OK, je double mon bench en 12 semaines. Ça paye au bout, là, ce genre d'affaires-là. Puis On dirait que moi, ça me sidère que je suis comme Ben Pourquoi qu'il n'y a pas plus de monde au Québec qui font pas genre. mais ben, regarde, là je me prépare pour un photo shoot, je vais documenter toutes les étapes de tout. Qu'est-ce que je vais faire? Dans le bodybuilding, ça se fait un peu plus, tu sais, mais dans le coaching où genre je vais gagner du, de, de la masse. Ou genre, hey, je me suis blessé, voici genre ma rehab, comment que euh, je me suis, je sais pas, me suis cassé un coude de <laughs> peu intense, mais tu sais. Comment je rehab de tout ça, tu sais. C'est de quoi que ça va te faire juste un infini de contenu, mm -hmm. puis que tu vas être différent, parce que, genre, il n'y a pas un autre coach présentement qui s'est cassé un coude, qui va le documenter. Ouais. En tout cas, il faudrait que ce soit un drôle d'adon, tu sais. Ouais, Bien. totalement. C'est beau l'éducation aussi, je pense qu'on va en faire un petit peu à travers ça, mais mm -hmm. si t'es de, de passer tes messages d'éducation à travers des, des histoires réelles que tu vis, c'est encore mieux. Parce que, tu sais, faire une capsule, je vais vous parler de la créatine aujourd'hui, tu sais, c'est. Il y, y en a trop, là. Ouais. Ça a trop été fait, là. Puis ça, ça prend toujours un... Parce que ça prend un mix entre le divertissement, puis l'enseignement, le... puis ce, tu... ce que tu donnes comme contenu. Parce que, tu sais, bonjour, ici, euh, Michael, de... Tu sais, comme... Je veux dire à part si t'es Chris Bodo il peut faire n'importe quoi, le monde va écouter là, qu ce qu'il a dit sur l'entraînement C'est comme Vincent toi Charles Poliquin, il aurait dit n'importe quoi, le monde aurait écouté quand même, tu sais. Mm -hmm. Mais Charles c'est un bon exemple que c'était quelqu'un de super divertissant. Je me souviens j'avais des informations, je suis comme ça va être drôle, il va sortir des affaires, il va ouais. envoyer chez quelqu'un, il va lancer quelque chose, <laughs> mais il était super divertissant dans sa façon de présenter les affaires puis c'était comme un... lui mais ben c'était lui, c'était un free vault. Tu sais pas quand qu'elle est pète une coche ou quand qu'elle est criée ou quand qu'elle est super calme ou quand elle tombe tombée sur sa chaise, tu savais pas. Fait que euh, fait que je pense que c'est de quoi de, de, de travailler le divertissement dans le contenu parce que tout le monde fait ma faire, tout le monde tu sais l'information le tout, tu sais c'est de delivery de l'information, puis, tu un, un gars comme Christian Thibodeau, quand tu as de quoi de spécial, tu sais qu'il fonctionne, genre, mais plus une, amplifie ça, mm. assume ce cette, cette trait-là de, de ta personne. Puis, tu moi, tu me parles de, de ça. Christian Thibodeau, s'il me présente juste la, des, des faits, puis qu'il m'en parle, mais que là, moi, je m'attendais à avoir une, un pétage de coche à manier puis je l'ai pas, je vais être déçu. Mm. Fait, si tu sais que les gens aiment tel trait de ta personnalité, comme le pétage de coche, on va dire, de Christian. Ben, utilise-le. Puis, mm. tu pas trop non plus, mais comme t'sais, les gens, ils veulent ça, ben, mm. fine, je vais leur en donner. Puis, si tu regardes, tu sais, le... tous ceux qui ont le plus de... Ça, on parle juste au, au Québec, on va parler de Christian, parce qu'il y a un gros following, que c'est une des, des personnes qui s'est fait le plus se connaître à l'international, mais Christian, c'est un raconteur en père il compte des histoires, qu'est-ce c'est, là, c'est -ce malade, toutes les ouais. histoires qu'il compte, puis tout ça, tu sais, fait qu'il y a un gros aspect de divertissement, puis c'est un mm. méga brain, tu sais, puis... Mais... Il va raconter des affaires alentour au, 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 de ça, puis je pense que c'est que, 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 ça que... J'avais checké à un moment donné, je pense qu'il y avait 600 quelques articles sur Tination. Il y en a mis du stock, tu sais. Mais je pense que ce qui fait sa, sa, sa différenciation, c'est toute la nouveauté qu'il amenait, puis aussi, tu sais, son, son storytelling là, qui, qui est excellent, tu sais. Puis je pense que c'est... Il faut trouver ton, ton angle, puis qu'est-ce qui te différencie, puis comme tu fais là, tu documentes ce que tu vis, puis le monde apprend à te connaître à travers ça, puis quand on t'apprend à te connaître, quand c'est... Tu documentes, ben, les, en, les gens vont connecter avec toi, puis ça rend unique le contenu, là, tout simplement. Mm -hmm. mm -hmm. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Je pense que <laughs> tu fais une bonne job de, de ce côté-là. Puis je pense que c'est quoi présentement que, comme, si tu veux, c'est un art sur les réseaux sociaux, tu pas le choix de, de faire différent. Parce que tout le monde fait les cinq trucs pour prendre la masse ou les cinq étapes pour si, pour. Tu sais, c'est. Ouais. Donné, ouais. Là, non, ça vient, ça va tellement de plus en plus vite que des, des choses comme les je vais te partager les cinq trucs pour XYZ. c'est brûlé déjà là. Ouais. ça va trop vite. Exact. Puis, mais je pense qu'après après ça, c'est drôle parce qu'on avant de commencer, je parlais avec quelqu'un qui disait que Bref, moi, dans le studio, il comme, a fallu déplacer les affaires parce qu'une personne était Comment je veux que ça fasse différent dans le studio. Puis j'étais comme, ça que ce soit pas nécessairement l'environnement de problème, mais c'est plus le message du podcast. que Puis je pense que présentement, c'est le monde, c'est le gros montage et les grosses affaires, mais si ton contenu de ce que tu livres, la façon que tu le livres, de ce que tu parles, le sujet que tu abordes, il y, y a tout ça qui rentre en ligne de compte que tu t'as pas besoin d'avoir un monteur vidéo qui te charge 3000$ pour une vidéo pour avoir du succès dans ta business. Parce mm -hmm. que. Il y a une différence entre les créateurs et contenu puis business owner. Là. Puis oui, business owner, il y a une partie qu'il faut que tu te fasses voir, c'est la création de contenu, mais c'est comme pas ça ta job. <laughs> t'sais, comme ta job, c'est de rouler ta business, faire croître, puis t'assurer que tes clients soient contents. Que... Mm -hmm. Oui, ça, c'est sûr. Mm. Le message en premier, après, si on parlait à Mané de. Je pense que j'ai tombé dans ce loop-là là, de. Ah, oh, ça me prend une caméra, ça me prend un bon micro, ça me prend t'sais, toute la coche, mais le plus important, ça va être ce que tu vas dire là, en premier. Mm. Je pense que y a, y a aussi tu sais un Mosey qui a blow up ses réseaux, le gros montage des grosses affaires sont comme ah c'est ça qu'il faut faire. Ouais mais son contenu il est fucking intéressant, a, mm. gars -là, a, est il ce gars-là c'est comme s'il avait 150 ans tellement qu'il a vécu d'affaires. Mais c'est un excellent raconteur encore lui aussi là. C'est pour ça. Tu sais puis c'est le cœur, je veux dire il est assis sur une chaise, il fait juste raconter des affaires. Il n'y a pas de montage de flafla là oui, il y a des petites affaires mais c'est clairement il peut faire ça avec Submagic, euh, ça magic ça n'a pas l'air d'être la c'est pas le gros montage mais comme c'est super divertissant, mais l'affaire c'est que c'est un skill qui se développe. Comme toi, été à Toastmasters, tu étais à Toastmaster, tu disais hey, je vais m'améliorer. Euh, parlons un peu de ça, Toastmaster. Hein? es président de Toastmaster. <laughs> c'est normal. Mais, mais, tout le monde. <laughs> tout le monde peut être président d'un Club Toastmaster. Il s'agit juste de vouloir s'investir. Ouais. Ça ne demande pas tant de temps pour de vrai. C'est un OBNL. Que, euh, on me, on me Comment? on m'a élu, mais on m'a proposé en fait euh, pour l'année 2023-2024. Puis j'ai accepté le, le rôle. Puis c'est très transposable dans mon entreprise aussi. C'est pour ça que je l'ai accepté parce que je dois gérer des meetings, je dois avoir un œil sur un chacun des départements. Euh, bref, ça se transpose chez To Get Fit. Mais la raison pour laquelle je suis rentré dans Toastmasters, c'était pour améliorer mes skills de communication. Parce que j je suis quelqu'un d'introverti, puis euh, je suis quelqu'un qui. Euh, Tendance à me perdre dans ma tête, dans mes idées, puis de délivrer mon message après, ben là, toutes sortes de croches, puis là, je me perds. C'est une des premières choses que je voulais aller chercher là-bas. Puis il euh, y a des beaux parcours chez Toastmaster quand tu commences qui te permettent de choisir parmi, il y en a 11 parcours, fait que la communication efficace, leadership, il euh, y en a 11. Fait que moi, ce que je voulais, c'est d'être capable de structurer mes idées. Euh, c'est sur ça que je travaille. Puis euh, aussi de, de me placer devant une salle, peut-être de parler, puis de faire, euh, de délivrer mon message avec éloquence, mais aussi d'être capable d'amener les gens avec moi. Je pense que ça, c'est important, là, de, quand tu es propriétaire d'une entreprise, d'avoir un leadership et une communication hors pair. Ce que je juge que je. Pas que je l'ai, mais je l'avais moins. Ça fait que je travaille encore là-dessus. que… Puis c'est un OBNL, tout le monde qui veut s'améliorer. Moi, je vous suggère d'aller au moins essayer, vous pouvez l'essayer gratuitement euh, des rencontres comme ça. Ouais, puis ça coûte des pinotes par année. On fait partie de Master. Il y en ouais. a un à Blainville, à Laval, à Sainte-Thérèse. Il y a un... quatre clubs à Laval. Wow. Je suis à Laval. Il y en a un en anglais, un online, il y en a un en personne, en français. Puis il y en a un, ben, c'est l'entreprise, c'est le gouvernement Canada qui, qui gère ça pour ses employés. Yeah. Trop accessible à la base. Ouais. Parce que je pense que c'est tellement un skill important présentement la communication, comment délivrer ton message et tout ça. Puis ce qui arrive, c'est que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se pratiquer sur des stages ou donner des conférences. ou... Fait que, parce que tu sais, si exemple, ta première, t'as monté sur des stages, je veux dire, t'as beau être préparé, gonné, t'avoir pratiqué, c'est si, ça, ça, mais <laughs> c'est comme ok, là, c'est à game quand t'arrives, puis là, il y a plein de monde, puis là, comme. Tu n'entends plus un son dans la salle, puis là, c'est à toi de parler. Il y a comme un, un, un stress ou un, une sensation que tu as beau t'avoir pratiqué, qu'il faut que tu pratiques sur stage, je mm -hmm. mm -hmm. Moi, le stage. Moi, j'étais le jeune à l'école qui tournait en rond dans, devant la classe, puis qui regardait à terre là, quand je faisais des exposés oraux, parce que c'est ma façon de libérer mon stress. Mais ça, en allant à euh, sais il y a de la rétroaction. Tout de suite, on me le dit, hey, ça, là, ton défi, là, ça va être de rester immobile. Mm -hmm. C'est tough pour oui, moi de rester mobile. Jusqu'au point où on dit Ok, tu le maîtrises, on veut que tu bouges un peu plus maintenant. Ouais. Que, ah, ça m'a vraiment changé. J'étais. Ben la première vraie conférence que j'ai faite, c'est toi qui m'as invité l'année dernière à l'atelier d'ascension. Ça a tombé que ça faisait trois mois que j'avais commencé Toastmasters. Et sans, sans avoir fait ça, là... Mmh. Ce, juste ce trois mois-là, là, ça a changé toute, 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 toute la formation. Puis on a travaillé avec la même personne aussi en développement personnel, en, en développement de communication, euh, Jia Gamache, qui nous a beaucoup aidés, je pense, les deux. Là. Mmh. Oh, oui. Puis, euh, fun fact, on avait un concours euh, à l'atelier d'Ascension. Mmh. Les, les deux premières positions, c'était nous autres et Francis Allard. Et. Les deux, Francis Salard et nous, on a travaillé chez Toastmasters, on a engagé un coach. Juste te dire à, à quel point ça a un impact. C'est mm -hmm. parce qu'on on a travaillé sur le message qu'on voulait délivrer, l'émotion qu'on voulait créer dans la salle. Puis euh, ça, ça a apparu tellement là, que ces efforts-là, là, mm -hmm. qu'on finisse premier, deuxième, c'est pas juste un addon. C'est pour ça. là pour mm -hmm. okay. ça. Puis Je pense que au-delà des conférences, c'est je veux dire un podcast, <laughs> des réseaux sociaux du Coaching avec ton client, c'est tout de la communication. <laughs> que faut que ça soit clair, c'est tout de est, est est tout, tout la communication. Mm. Je pense que euh, un des prochains podcasts que je vais tourner tantôt, euh, solo, c'est justement sur l'art du coaching. C'est comme il y a tellement d'outils présentement pour t'aider avec ton plan, tes plans d'entraînement, toutes ces affaires là, que comme c'est plus ça qui, mm -hmm. qui fait en sorte que les gens ont des résultats, mm -hmm. tu sais. J'ai enseigné la programmation pour ces enfants-là pendant des années, mais plus ça allait, plus, plus encore que ça va, plus je me rends compte que l'important, c'est la communication avec le client. C'est mm. les questions qu'ils se posent, c'est comment. Tu sais, c'est tellement un skill qui va être de plus en plus important les prochaines années avec l'arrivée des intelligences artificielles, la technologie, puis tout ça. C'est comme. Oui, parce que l'information est toute là. Fait que mm. le coach, lui aussi, peut renchérir cette information-là, mais c'est vraiment ça la difficulté, nous aussi, à l'interne, en ce moment, quand on développe nos coachs. C'est OK, l'information est capable d'aller chercher, de faire toutes les formations, mais on n'a pas encore de, de formation qu'on offre pour poser les bonnes questions, mmh. être capable d'écouter la personne, puis de faire des liens, puis de, de creuser aussi, de ne pas accepter la première réponse. de C'est tout ça, c'est de la communication, puis ça prend du temps à développer, ou du role-play, c'est rendu ça là, la difficulté. C'est ça pour ça, je pense que... Ça pourrait être un autre sujet qu'on pourrait euh, <laughs> qu'on pourrait te, parler. Je vais parler Mais euh, alors, on, est, on est même en retard, une petite deux minutes. Alright, merci Kev pour, pour ton passage. On va sûrement ça te revoir sur le podcast dans les, les prochains temps. Fait que, merci. Puis merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. 5 étoiles sur Spotify. Vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!